je sais pas où. Ah ouais, bah dommage après. Ah ouais. Ben bien sûr, ému, surtout dans cette maison, voter dans cette maison qui était pour nous, enfin pour moi en tout cas, une espèce de maison étrangère. Aujourd'hui, je vote, c'est d'une certaine manière, je me réapproprie une parcelle de cette maison, c'est-à-dire la Tunisie démocratique que nous sommes en train, les uns et les autres, en train de bâtir. Et puis, je suis vraiment fier tout simplement, tout modestement, de voir tous les Tunisiens qui s'amassent devant le consulat pour voter. Ils vont passer des heures. Je sais qu'il y a l'envie de voter est tellement forte que j'étais vraiment sûr que la participation sera très très élevée et que les votants à l'étranger, comme en Tunisie d'ailleurs, sera aussi de la même intensité, je dirais. Donc, Parce que on veut voter en Tunisie, on a décidé. On est en train de en quelque sorte, de commencer à écrire une nouvelle page. Donc il reste une page encore, à des égards encore blanche. Mais c'est des premiers pas sûrs. Ce sont les premiers pas qui donnent le rythme, qui donnent le sens. Et si on réussit, j'espère qu'on va réussir, et ça donne la tonalité de ce qui va suivre. Quels que soient les problèmes et les défis, les difficultés auxquels on va être affronté, parce que les élections ne résolvent pas tous nos problèmes. Elle nous permet en fait de fonder les institutions sur la base de légitimité populaire. C'est déjà beaucoup pour un pays qui a été privé de cette dimension importante, la voix du peuple. Et c'est ça qui va me permettre après de pouvoir mobiliser les ressources qu'on a, les énergies qu'on a, pour pouvoir affronter les autres problèmes qui sont graves aussi. Le problème d'emploi, le problème de la construction d'une institution démocratique, le problème du développement inégal régional, les problèmes aussi régionaux. La Tunisie ne vivra pas isolée du monde. C'est un petit pays, mais il doit faire avec l'environnement arabe, l'Europe, tout cela. Et donc... Donc on a beaucoup de choses à faire. Mais cette fois-ci, je crois, ça sera fondé, tout va être fait et fondé sur la légitimité du peuple. Ah, je pense que les Tunisiens vont voter massivement. Il est difficile de donner un chiffre, mais j'ai déjà avancé le chiffre à 60%, mais je crois qu'on va le dépasser. Un petit mot pour conclure. Vive la Tunisie, vive la démocratie, vive la liberté.